Bonjour tout le monde, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes le 6 janvier aujourd'hui et je voudrais vous souhaiter encore une fois une bonne année. Ok. Donc, ce qui se passe dans mon classement hebdomadaire, eh bien, il y a un joueur, je ne sais pas s'il est membre du Pick Crew, je ne sais pas. Parce que c'est ça que ça donne dans mon classement. J'ai un joueur qui se nomme PC Crypto Kev. Est-ce que quelqu'un connaît ce joueur? Car moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il fait partie de votre équipe ou je ne le sais pas. Donc, voici ce que ça donne de manière actuelle. Depuis jeudi, ça n'a pas changé, son score est resté le même, mais il peut toujours s'améliorer, le joueur. Jusqu'à où il peut se rendre avec ces options-ci? Donc, avec les options que ce joueur a présentement, il peut aller se chercher jusqu'à 193 157. 68 dans GBA et GPSIA, jusqu'à 66 à 3DS et Go Piranha SIA, et 57 dans GCN Pack BB SIA. Donc, il y a encore de la marge. Fait que, genre, il peut encore aller chercher des points. Il a juste pas joué le circuit 1 puis 2. Il a pas encore nettement travaillé comparativement à 3DS et Goupirana avec Larry Vernal, oui, qui est doublé, mais qui est moins bon que s'il prendrait Piranha Or, qui est plus gros, mais bon. N'empêche que quand même, c'est un bon pilote pareil, même s'il est petit, sauf qu'il va avoir de la difficulté à aller récolter énormément de pièces. Donc, c'est essentiel pour lui qu'il ait un gros cart comme le Biggie Brut. Puis celui-ci, Rapido Burger, qui est quand même un très bon cart aussi, même s'il n'y a pas grandement de circuit, pareil pour les deux autres. Comparativement à Biggie Brut Rouge ou Biggie Brut Mumum, par exemple. Qui ont plus de circuits qu'eux. Et puis moi, ici, avec les options que j'ai utilisées ici, je peux pas aller chercher plus que 178. Comment que je pourrais faire pour améliorer mon sort ici? Eh bien, si j'améliore Daisy Rob Talandaise, jusqu'au niveau 7, jusqu'à 180 points de base, je peux aller faire un gain de 15 000 de plus. Ou d'aller chercher 44 000 points lorsqu'elle est au niveau 1, avec les options que j'ai ici. Au lieu de 44, on va chercher 59. Mais ce qui est d'intéressant aussi, c'est qu'il y a les tenues mi à utiliser. Et puis pas n'importe lequel. Gardez le tenue mi que le joueur a utilisé. Il a utilisé Tenumi Wiggler, que Banane Giant, qui est aussi une très bonne option, si on veut. Puis aussi, lui, il a tous les mis. Mais il est triplé pour celui-là, ils n'ont pas quadruplé. S'il serait quadruplé, c'est à 2250. Il est à 2070. Je ne sais pas ce que le joueur prévoit faire. Mais c'est sûr et certain qu'il ne va pas en rester là. Probablement qu'il peut aller se chercher jusqu'à 173 157. Peut-être qu'il va se rapprocher de ce montant-là. Moi, je me dis que peut-être si la tendance se maintient, il va sûrement aller chercher 185. Fait que pour moi, il faut que j'aille me chercher davantage dans mon score total en améliorant quelque chose parce que ma faiblesse, c'est mon pilote dans le premier circuit. Puis la meilleure que j'ai en ce moment, c'est Daisy Mère Noël, mais Daisy Mère Noël n'a pas grandement de circuits et pas des bons circuits comme qu'elle a Daisy Rob Talandaise, qui a au moins plus d'une cinquantaine de circuits. Puis j'ai calculé le nombre qu'avait le Tenumi Wiggler, il y en avait 37. Mais comme que vous le savez, étant donné que genre j'ai un total de 58 000. Il m'en manque 6 pour tout finaliser. OK. Et que ça veut dire que ça veut dire que mes points de base de mon Tenumi Wiggler est à 1380. C'est le cas en ce moment. Il est à 1380.
Donc, si je m'en vais chercher, si je m'en vais, exemple, le doublé, il va être à combien? 1740. Et là, c'est là que ça devient intéressant, étant donné que là, que je vais augmenter davantage les points de base versus Daisy Robe Thaïlandaise, même si la boîte à pièces n'empêche que, comme que vous savez, Tenumi, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le jeu. T'sais, si je veux me permettre de meilleure chance que possible pour avoir ma 15e victoire, il faut que j'aille chercher un peu plus parce que ça se pourrait que le joueur peut me battre, étant donné qu'il peut aller chercher jusqu'à 193 157. Et si j'améliore Daisy Robe Thaïlandaise, ben, je peux aller me chercher jusqu'à 192 776 si elle s'en va jusqu'au niveau 7 à 1192 points de base. Tandis que si j'utiliserais Tenumi Wiggler, OK, ben là, je peux aller me chercher 5 000 points de plus. Je peux aller jusqu'à 64 409 au total, à ce que j'ai vu. Et mon score optimal total pour la coupe, là, il passera de 192 776 à 198 049. Donc, je fais quand même un bond de 5 000. Un bond de 5 000 en améliorant deux fois avec des tickets de limite de points. Donc, 6 tickets de limite de points de pilote. Le Tenumi Wiggler, on va chercher 1742 points de base qui va me donner 5 000 de plus. Comparativement à Daisy Robe Thaïlandaise au même niveau, mais à 1180 points de base pour elle. Je peux aller chercher jusqu'à 59 000, tandis que l'autre, je peux aller chercher 64 000. Donc, ça serait plus logique que j'irais avec Tenumi Wiggler, qui est pas un mauvais pilote non plus. Au moment qu'il est sorti, ben, il y avait un nouveau circuit qui se nommait le tunnel Plante Piranha. Et qui a ce circuit en plus de ça. Daisy Robe Thaïlandaise, elle est nettement avantagée pour les bousculades à Benka, ça c'est évident. Oui, à un moment donné, il faudrait que je l'améliore. Oui, elle va être probablement doublée dans l'une des semaines à venir. Je ne sais pas quand est-ce exactement. Quand que probablement, je sais pas, Supermarché Coco va revenir. Mais d'ici ce temps-là, c'est à moi de décider qu'est-ce que je fais en ce moment. Parce que j'avais dit que j'allais améliorer Daisy Robe Thaïlandaise, sauf que si je veux obtenir ma 15e victoire, si je veux être en position de force, il faut absolument que j'améliore le Tenumi Wiggler, ce que lui a fait. Ici, lui, il a au niveau 8, il a déjà maxé. Donc, il faut que j'aille dans la même veine que lui. Puis en chantant que son Tenumi Père Noël pour le GCN Pack BBCA, puis ses autres Tenumi pour les autres circuits, ils ont tous au niveau 1. Tandis que moi, j'ai Tenumi Père Noël maxé. Et que j'ai j'ai le Feu Piranha maxé pour 3D Égout Piranha ici, ce qui est largement mieux de qu'est-ce qu'il a, lui, en ce moment. Puis avec Flora Piranha or, je peux aller me chercher jusqu'à 69. Lui, 66. Tandis que moi, pour GBA et Chipsy, ça, en emmenant jusqu'au niveau 7, Tenumi Wiggler, jusqu'à 1542 points de base, c'est le max que je pourrais faire en ce moment. Ben, je pourrais pas aller plus haut que ça. Ben, moi, 64, lui, c'est 68. Vous voyez, c'est 4000 points de différence, là. C'est juste 4000 points d'écart. Ça pourrait me faire la grosse différence. Versus 59 000 pour Daisy Robe Thaïlandaise au niveau 7 à 1190. Puis j'ai déjà mon Tenumi maxé que j'avais maxé la saison dernière. Donc c'est sûr et certain que j'ai un gros avantage là. Celui peut juste aller chercher 57, mais moi 63. C'est un écart de 6 000. Puis si on l'ajoute à l'écart pour les GBA de Chip Bestia, ben je me devance de 2 000. Plus pour le 3DS Ego Plante Piranha SIA, lui, il peut être 66-69, mais on va chercher 5 000 de plus que lui. Ben presque ouais, c'est 5 000 de plus. Donc je me mets en bonne posture pour remporter ce classement hebdomadaire-là. Absolument que je passe par Tenumi. Sans ça, il y a peut-être un risque
que je finis deuxième. Il y a peut-être un risque calculé à prendre là. T'sais, parce que là, écoute, ici, c'est du 50-50. Pourquoi? Parce que si je m'en vais mettre des robes thaïlandaises, bon, on est à peu près égal. On a peut-être quoi 400 points d'écart dans notre corps optimal versus genre presque 5000 d'écart que j'ai d'avance contre mon adversaire. Je sais pas qu'est-ce que lui prévoit faire. Mais lui, tout ce qui lui reste à améliorer ici, ça serait soit son kart, le Rapido Burger, ou bien l'une de ses ailes qui est ombrelle rouge et or. Ou encore l'étendard vert, qu'il pourrait améliorer pour aller chercher, pour aller gratter quelques points supplémentaires. C'est ça, si jamais, si j'ai décidé d'améliorer mon autonomie Wiggler, c'est moi qui vais être en position de force parce que j'ai autonomie Père Noël maxé pour gestion de Pack Baby SCA. Tu sais, je peux me chercher 6000 points de plus que lui avec Larry Hivernal. C'est ça qui pourrait faire une nette différence parce que lui, il a juste son autonomie Père Noël au niveau 1, mais je sais pas qu'est-ce qu'il prévoit faire avec ce autonomie-là parce qu'il va être doublé la semaine prochaine. Je sais pas si vous le savez, mais il va être doublé la semaine prochaine. Il va être doublé. Parce que j'ai vu, je pense, t'as quoi 655 que jouer l'an passé. Ok, pour ça, je vais être correct. Sauf que le petit inconvénient, c'est ça, je vais avoir juste. Oui, je vais avoir deux éléments au niveau 8, mais je vais en avoir juste un de niveau 2, qui est mon aile étoile noire pour la route d'arc-en-ciel dans la première semaine. En espérant que, genre, que. Si, en espérant que peut-être, si la grande voie la veille obtient ce circuit, ben, j'aurai au moins une aile de minimum niveau 3. Mais j'ai l'essentiel avec autonomie Père Noël niveau 8, puis j'ai le rapace rapide. Niveau 8 à 715. Donc c'est ça que c'est ça donc si je veux augmenter mes chances de réussite ici ça va être Tenumi Wiggler. C'est lui qui l'utilise, pourquoi pas moi? Soixante-quatre ou de 59, ça se prend bien. J'aurais sûrement pris des héros thaïlandais si j'aurais pas un adversaire de taille là. C'est le seul qui peut me. C'est le seul qui peut compétitionner avec moi, c'est le seul. L'autre, je pense peut-être aller jusqu'à 170, peut-être 175. Je pense pas qu'il peut se rendre jusqu'à 1100, à 190 000. Ah oui, ça oublie, j'étais à 1770. J'ai calculé pour 1740. Bon, ok. Donc, on va dire que c'est un petit peu plus que 64, peut-être 65 000. Je peux aller me chercher avec ça. Bon, puis maintenant, niveau 7. Il en faut un total de 14 pour ça. Puis Cantlève planifiait de peut-être l'améliorer bientôt. Mais il l'a pas fait encore. Mais ça devrait s'en venir sous peu, je sais pas quand est-ce.
Pour moi, ça va être maintenant. Si je veux retourner ma 15e victoire, faut que je passe par là. Parce que tout le reste de mes options sont correctes. Il y a juste celui-là du pilote pour le premier circuit qui me cause problème. Fait qu'on met toutes les chances de son côté dans ce temps-là. Pour une 4e victoire de suite dans les 99. Pour la première fois. Ben oui, je l'espère cette fois-ci, ça fait troisième prise, c'est prise 3 là. C'est prise 3 pour 4e victoire de suite dans les 99. Est-ce que ça va être là, je le sais pas. J'espère que oui. Parce que là, en faisant cette amélioration-là, ben je m'avantage d'environ 5000 points par rapport à mon adversaire au lieu de tirer derrière par 400. C'était là, grande voie la vague. Si obtient le circuit route arc-en-ciel, ben j'ai ça comme meilleure option au niveau 3. Parce que ma meilleure option en ce moment, c'est l'étoile noire seulement. J'avais aucune aile la saison dernière. J'ai juste été chercher pour le niveau 1, je crois, le taxi irisé. C'est la seule option que j'avais. Puis on allait acheter l'étoile pour le château de Bowser 4, après ça, un peu plus tard. Ben, je l'ai emmené jusqu'au niveau 2. C'est ma meilleure aile. J'ai pas d'autre aile à part ceux-là. Bon, ben c'est parti, allons-y, petit guidou. Ça crève même pas. Une banane partout, ça crève pas. Bon, 48, mais bon, c'était juste une frénésie. Puis aussi, Seigneur, ouf, ça fait pas mon affaire, ça. Mais je suis en première place. Mais ce score-là ne fait pas mon affaire. Je vais essayer de me rendre le plus proche que possible de 64. Bien, non. Thank you.
Et j'ai 60. Et 60, c'est ça, en plein ça. Youhou! Bon, ben, j'ai eu quoi? Frénésie de bombes, frénésie de pièces, frénésie de bananes géantes au second tour. Si ça aurait été au premier tour, si ça aurait été l'inverse, ben, peut-être que ça aurait été mieux, je le sais pas. Mais j'ai réussi à avoir mon 60 000. Youpi! J'étais environ à moins de 4 000 de mon score optimal qui est de 64 409. Super! Tout ça avec combo complet, youpi! 174, waouh! C'est vraiment beau! Wow, c'est merveilleux! Bon, ben, alors, on voit mon résultat final. Ça doit tourner aux alentours de 182. 183 428. Super nice. C'est moins de 10 000 de mon score optimal que je peux obtenir. Non, c'est ça? Non, de 15 000, pardon. Donc, 4 000. Il manque l'autre, il manque tout ou plus 4000 à peu près. Bon, 4000, l'autre un 5000, donc ouais, c'est ça. Ok. Bon, c'est super bon ça. Bon, là, il reste à savoir jusque où va aller mon adversaire. Parce que lui aussi peut se rattraper. Bon, eh bien, ça sera tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié le moment. Sur ce, bonne fin de journée. Et à une prochaine fois, on va se rejoindre pour 12 tirs de tuyaux bientôt.